Comment sauvegarder dans Notion les articles, vidéos et autres contenus repérés sur le web? Comment se créer une base de données des contenus dont nous souhaitons conserver une trace? Nous allons dans cette vidéo installer et configurer les extensions Save to Notion et Notion Web Clipper afin de simplifier l'implémentation d'une boîte de réception de contenus. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Ces deux extensions ont la même fonctionnalité, qui nous permet de sauvegarder des liens et contenus dans une base de données Notion. Alors que Notion Web Clipper est développé par Notion, Save to Notion offrira quelques options supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Avant de démarrer l'installation des extensions, nous créons une base de données qui nous servira à collecter les contenus sauvegardés. Cette base de données doit contenir au moins une colonne name et une colonne URL. Nous pouvons ajouter une colonne photo et une colonne date d'enregistrement. Si tu ne sais pas comment créer une base de données dans Notion, je t'invite à regarder le tutoriel « Créer une base de données dans Notion » dont le lien apparaît en haut de cette vidéo. Nous allons tout d'abord installer les extensions Notion Web Clipper et Save to Notion. Nous nous rendons dans notre navigateur, dans la boutique d'extensions. Dans Chrome, nous y accédons en cliquant sur le menu de droite, puis Extensions. Enfin, nous cliquons sur le lien Web Store en bas de nos extensions installées. Pour la suite de cette vidéo, nous allons utiliser Firefox. Les opérations seront identiques indépendamment du navigateur utilisé. Dans Firefox, nous cliquons sur le menu, puis Extensions et Thèmes. Nous pouvons effectuer une recherche d'extension directement dans le champ en haut de la page Extension. Nous recherchons l'extension Notion Web Clipper. Dans la page de l'extension, nous cliquons sur « Ajouter à Firefox ». Nous validons en cliquant sur « Ajouter ». Et nous validons les autorisations. Nous effectuons ces mêmes opérations pour l'installation de Save to Notion. Nous allons épingler une page web et son contenu. Une fois positionnés sur la page web que nous souhaitons sauvegarder, nous nous rendons dans les extensions en haut de notre fenêtre de navigateur. Puis, nous cliquons sur l'extension Notion Web Clipper, dont l'icône est le cube Notion. Nous cliquons une première fois sur Ajouter. Puis, dans le champ Add, nous choisissons la base de données dans laquelle nous souhaitons sauvegarder la page. Ici, Contenu Web. Nous cliquons sur « Save page ». Nous revenons dans Notion, dans la page de notre base de données « Contenu web ». L'extension a bien créé une nouvelle occurrence avec le lien de l'article, une date de création et le contenu de la page. Nous allons effectuer la même opération que précédemment avec l'extension « Save to Notion ». Nous revenons sur la page web à sauvegarder et cliquons sur l'icône qui représente l'avion en papier. Au survol, elle s'appelle Notion Saver, mais c'est bien l'extension Save to Notion. Nous cliquons ensuite sur Create a Form. Nous pouvons paramétrer les données à sauvegarder dans la fenêtre Create a Form. Nous commençons par choisir la base de données, ici Contenu Web. Nous allons tout d'abord activer Save Page Content. Puis, pour faire apparaître une image dans notre colonne photo, nous ajoutons un champ en bas en cliquant sur New Field. Nous choisissons la colonne photo, puis choisissons page image. Nous cliquons sur Save pour enregistrer nos paramètres, puis sur contenu web. Enfin, nous cliquons sur Save to Notion. Nous revenons dans notre espace Notion. Cette fois-ci, en plus des paramètres par défaut, nous avons collecté une image, une icône et une couverture pour notre nouvel élément. Maintenant que tu sais créer dans Notion ta base de données de contenu et collecter des articles, je te recommande de t'intéresser aux filtres de base de données dans Notion. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo!